Bonjour, 31e journée sur le chemin. Je quitte le gîte d'Amélia et Alain où j'ai passé vraiment une excellente soirée. Et donc 31e journée, dernière journée de la voie du Puy. Demain, ce sera les Pyrénées. Donc petite étape aussi aujourd'hui, sous un ciel couvert, mais il n'y a pas de pluie et il fait vraiment bon pour marcher. Je pars tard ce matin, il est 8h, plus de 8h. Alors même s'il y a une route en contrebas et que le temps est gris, le paysage n'en reste pas moins magnifique et le chemin est très agréable. Pas trop de dénivelé dans cette étape. Et puis bon, bah, le temps est couvert mais il fait bon justement, il fait pas chaud. Là, on franchit plein de barrières ce matin. J'arrive au village de Gamart, premier village que je rencontre ce matin. Alors la mairie est juste au-dessus de l'entrée de l'église. C'est ouvert. Ah. Fermé. Il y en a quelques-unes au mètre carré quand même. Manger, hein. T'es tout beau. Donc finalement, je ne me suis pas arrêté tout à l'heure, mais là, j'arrive à Saint-Jean-le-Vieux. Il est midi, on entend la cloche sonner. Et bah, je vais faire mon pique-nique ce midi ici. Il me restera après à peine une heure pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Thank you.
Bon, là, depuis Saint-Jean-le-Vieux, en fait, on n'est pas dans de la campagne. On est dans, plus ou moins dans la banlieue de Saint-Jean-Pied-le-Port. Et là, ça se précise. Je pense qu'on arrive bientôt. Bon, on va aller passer cette porte. Ce monde là. Bon allez, on fait une petite visite du vieux Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par le chemin de Sentinelle. Ça va être sportif. Alors, la citadelle. Je crois que je vais monter beaucoup de marches. Allez, beaucoup de marches. Regardez ça. Et ça monte, là-haut. Voilà, tout là-haut. Bon ben on va y aller. Hein. Allez. Alors, c'est quoi? Donc ça, c'est le derrière de l'église. Allez-y. Comme si j'en montais pas assez. Mais bon, ça vaut le coup, hein, c'est sympa. Continue la visite. Les meurtrières. Ah mais elle a accès par l'extérieur aussi. Ben, je ne veux pas le faire deux fois. Je vais faire que par l'intérieur des remparts.
bientôt en haut. Demi-tour. Et voilà. C'est pas fini. Alors, on arrive à la citadelle. Ah, peut-être. Non. Je suis dans les fossés. Pas aller plus loin, on ne peut pas visiter la citadelle parce que depuis 1963 c'est un établissement scolaire. Bon, ne pas me casser la figure avec mes serrettes de doigts, ça serait couillon. Ah là, j'arrive près du gîte. Impeccable. Le gîte communal est ici. Donc là, je suis à l'arrière du gîte. Il y a mon linge qui sèche là-bas. Donc je finis le tour de ronde du vieux Saint-Jean, pied de port. Ce qui devrait normalement me mener près d'un bar où je vais vous laisser parce que j'allais boire un coup avec les quelques pèlerins dont j'ai fait la connaissance et qui arrêtent leur chemin ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on n'est que deux à continuer demain vers l'Espagne. Enfin deux, que je connais, parce que là, la ville s'est remplie. Alors il y a des Américains, des Coréens, des je sais pas quoi. Mais il y a plein de monde, le gîte est blindé. Il y a visiblement plein de monde qui arrive et qui commence ici.